On est pas mal, on est pas mal. On est bien, on est sous Atonen, là. Salut Alexis. Ça va Jean-Yves? Ouais, ça va, ça va. Je suis vraiment super content que tu sois là. Bah écoute, pour merci, cet événement. Merci pour l'invitation surtout. L'organisation au top. Ça va, ça allait de soi. Au début, je pensais qu'on allait le faire en visio. C'est vrai qu'on s'est toujours vu en virtuel. On s'est toujours mais vu en virtuel. En fait, existe réellement quoi. C'est... Je suis vivant. Donc, ouais, ça me semblait logique que tu sois là avec Fabrice, avec Gabi, avec et tout c'est le monde. Vrai, t'as réussi à regrouper tout le monde quoi. Enfin, tout le monde. Beaucoup de gens, pas tout le monde. Où on se voyait séparément mais dans des endroits différents. Ouais, pas tout le monde, mais en tout cas les gens qui avaient eu l'envie commune. Parce que c'est l'envie de la communication en tout cas. Ouais, ouais ah, et puis ouais. L'envie commune de faire un événement vraiment bonsaï friendly, c'est-à-dire des gens, des passionnés. Ouais. Et je pense qu'entre passionnés, on se comprend. Et quand on a voilà, la même passion, forcément les choses avancent assez vite. Et ça s'est fait comme ça, tout seul. Il y a eu une grosse émulation. Ouais. T'as réussi à motiver tout le monde, quoi. C'est ça qui ouais. est. Ouais, franchement, je les ai forcés en fait. Hein. Ouais, mais je sais, là je suis sous pression. Là, aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dans ta cage, tu m'as en dit. En plus, là, tu m'obliges à travailler des pains. Ah, il faut travailler des pains, sinon tu ne manges pas en cage. Pas de repas à midi, tant que le pain n'est pas fini. C'était la devise. Je m'y remets. La devise, c'est. Après, pas de bras, pas de chocolat, c'est. Pas de pain terminé, pas de repas. Non, ça rime pas, c'est nul. Non, pas de pain fini. Ouais, C'est pas grave, j'ai essayé de faire on une rime, là, là. Ça a pas marché, c'est nul. Bon, l'humour, faut arrêter, on reste sur les bonnes sacs. Donc, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais pendant ce week-end, puisque toi, tu étais là, donc vendredi l'installation, mais c'était pas c'est ouvert ça. Au public. Ouais. En fait, tu m'as simplement proposé, écoute, je fais un événement, qu'est-ce que tu veux faire, comment exactement. Tu veux participer. Carte ce qui est bien, c'est carte que blanche. Tu m'as dit, qu'est-ce que qui te ferait plaisir ouais. Tu m'as dit tu peux faire des conférences, tu peux faire ouais. des choses et tout. Je lui ai dit mais moi je travaille des armes quoi. C'est vrai. Faites du bonsaï, tu vois, c'est mon truc, je fais du bonsaï, je ça montre semblait, en vidéo ça semblait logique, que ça je travaille des logique, armes ouais. Et je me suis dit bah écoute tu me trouves des armes ouais. Et puis je vais les travailler, j'essaie de faire quelque chose de bien et puis tu mets un petit stand en mode atelier. Quoi. On va montrer, hein, vous verrez et, l'ensemble. Et voilà, bah, hier j'ai travaillé le premier et aujourd'hui il faut que je fasse le deuxième. Ouais. C'est ouais. des pains autrichiens mmh. que tu as récupéré au cerf de Paris. Alors, pain noir, ouais. précisément, c'est les serres de la ville de Paris, c'est des serres qui ne sont pas ouvertes au public parce qu'on m'a ouais. posé la question, il y a des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit ah, on peut y aller, ouais. etc. Non, moi je n'y avais jamais mis les pieds, c'est la réserve végétale, de végétaux pour les parcs et jardins de la ville de Paris. Donc la ville de Paris a des serres qui sont entre Rungis et Fresnes. Ouais. Et c'est là-bas qu'ils se servent en végétaux. Sources, ouais, exactement. Parc, ouais. Et c'est immense. Quand j'ai visité le truc ouais. dans la vidéo, ouais, c'est monstrueux. Oui, qu'il y avait des champs, hectares, ouais. des hectares. Et j'ai pas tout vu. J'ai vu qu'une partie, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Et effectivement, j'ai vu ces pins, je me suis dit que ça allait être sympa. C'est pas exact, je vais être honnête, c'est pas exactement ce qu'on voulait, hein, on peut le dire. Ouais, c'est pas forcément la meilleure espèce, mais c'est des pins, on va dire, école. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est accessible. C'est ça. Au moins, les gens qui viennent ici, et puis, tu vois, c'est une espèce autochtone aussi. Ouais, ouais, il y a eu plein de questions. Ça, vous le trouvez en jardinerie en fait. Hein, ouais, ouais. Bah, c'est ça, c'est ouais. qu'il y a eu plein de questions et puis les gens se sont dit, ah, on peut les trouver. Bah, voilà, clairement. Si j'avais travaillé un Itoigawa, les gens n'auraient pas trop compris et c'est pas le message qu'on veut donner. C'est ça. Faites du bonsaï, quoi. Allez-y, faites-le, c'est accessible, c'est possible. Et au fur et à mesure, on évolue, quoi. Exactement. Donc, par défaut, on a pris ça. Je te les ai montrés. Tu m'as dit, OK, on va essayer de faire quelque chose. Faut pas s'attendre à quelque chose de fou. Ah non, j'ai dit non. Et tu m'as dit, ouais, mais t'as pas le choix. C'est vrai. Donc, ça, on va pas le dire, mais effectivement. Mais moi-même, je partais pas sur un pain noir d'Autriche. Ouais, je ouais. partais sur un genévrier. Alors, je pensais pas un Shinensis, un Itagawa. Ouais, je pensais qu'on allait trouver un Juniperus communis. Je pense qu'on pouvait trouver ça. Et oui, en fait, on aurait pu le trouver. Sauf que, n'ayant pas fait la prépa en amont avec la ville de la commande de ces végétaux, parce qu'eux, ils fonctionnent en année. Ouais. On n'a pas pu les récupérer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais ils sont réservés pour des parcs et jardins de la ville de Paris. D'accord. Donc, par défaut, on a pris ça. Moi, perso, je les trouve très sympas parce qu'on a quand même trouvé des arbres avec des lignes de tronc un peu particulières, etc. Mais, ouais, voilà, tu vois, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose, on voit déjà un Omoté, un Nura. Celui d'hier était plus intéressant, mais on va essayer de faire. Mais les deux sont dans la même veine. Hein. Ouais, ouais. C'est la même production. C'est la même production, ouais, c'est pareil. Et ils n'étaient pas forcément destinés à être travaillés en bonsaï finalement, c'était de la pleine terre ou non seulement, non seulement ça, mais avec des troncs comme ça, ils n'étaient pas aux normes. Donc ils les ont mis de côté. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais moi, je veux ceux qui sont mis de côté, parce que c'est ceux qui sont le plus intéressants. Et voilà pourquoi on a récupéré ces deux pains. L'année prochaine, ce qui serait super, eh ben, c'est éventuellement de trouver dans les espèces autochtones
peut-être Juniperus communis ou je ramènerai des choses ou exactement de moins, hein, mais l'intérêt avec la ville de Paris, c'est aussi de travailler des arbres autochtones. Donc on peut imaginer des érables de Montpellier, ils avaient des érables Bergerianum magnifiques aussi, mais c'est des choses qui se prévoient longtemps à l'avance, je le sais maintenant, et l'année prochaine on anticipera. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le travail de... On peut le montrer, celui de... que tu as bossé Eh bien, il est là. Ah, attends, on va vous le montrer. Ouais. De toute façon, j'ai des plans où tu le travailles, donc on va montrer ça. Ah, attends, parce que du coup, il y a la face avant. Il y a la face avant ici, si on voit bien. Et il est légèrement comme ça, incliné, en fait. Ça, c'est ce que tu veux lui donner comme positionnement. Voilà, ce sera la position future dans son pot. Donc, je pense que JP va la rempoter sûrement l'année prochaine. C'est ça. Ou pas le travailler et faire que le pincement, j'en sais rien. Mais celui-là, il va rester, ouais. Donc celui-là est destiné au parc floral, ce qui veut dire que cet arbre-là, vous le verrez dans la collection du parc floral en permanent. Et il va intégrer la collection, et il s'appellera d'ailleurs le Alexis fait du bonsaï, le Pinus Alexis fait du bonsaï. Ouais. Sauf s'il meurt. Dans ce cas-là, il ne s'appellera pas. Non. Il va être bien cultivé ici, je pense. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de sélections. C'est un Pinus Bourrasifolia. C'est ça. Bourrasiflora. Donc première étape des aiguillages, parce qu'effectivement là si tu montres celui d'à côté, en gros c'était comme ça quoi. C'est quasi le même. T'as des quasi parallèles, t'as des paquets de 3, 4, 5 à chaque embranchement. Ouais. En fait il faut très dense. Tout diviser très, par très dense. Beaucoup de sélection. La poubelle qui était derrière nous là. Je l'ai vidée. Elle était pleine quoi. Ouais bah c'est bon, ils savent ce que c'est qu'une poubelle. Mais je l'ai vidée de toute façon. Elle était pleine. Après ligature complète et puis on essaie de mettre en forme, mais c'est primaire. Tout à fait, et c'est vrai que ça fait le avant après, hein. Les arbres étaient vraiment très très proches, donc là vous avez le avant après. Ah, c'est clairement ça, hein. C'est clairement en fait, le c'est avant. Dur de bien montrer comme ça avec la focale et mais de toute façon j'ai après, des plans tu vas documenter, oui, quand tu travailles les plans, on a énormément de vidéos avec Alex Dulinski. Un ami professionnel de l'audiovisuel, dont c'est le métier, qui a fait pas mal de prises de vue. Donc merci Alexandre. Ouais. Voilà, explique-moi pourquoi celui-là, qui sensiblement a la même forme que l'autre, ne te plaît moins. Alors il a un peu moins de mouvement déjà sur le tronc. Si on regarde la ligne de tronc, là, si on se met en face, je sais pas si j'ai réussi à montrer, c'est parfaitement droit, sauf à la base. Et puis par contre, effectivement, quand on regarde de côté, en fait, on a que des branches parallèles. En fait. Ouais, c'est vrai. Là, j'en ai coupé une en fait. Hein, j'ai déjà commencé. T'as fait un petit charri. Ici, il faut couper. Ici, il faut couper. Ici, il faut. Enfin, et je pense que je vais rabattre la tête pour repartir sur une autre tête. En fait. D'accord. Donc ça va être assez drastique. Et donc ça c'est une chose d'ailleurs qu'on peut dire. Ça va être le premier travail sur ce type d'arbre. Merci. Le premier travail. Le premier travail sur ce type d'arbre, imaginons que quelqu'un prenne un pin noir d'Autriche ou une autre espèce de jardinerie. Ouais, Hugo, les choses qu'on trouve facilement. Ouais. C'est ça. La première étape va être de dégager la ligne de tronc. C'est exactement ça. Ouais. Pour qu'on puisse voir. Donc c'est très simple. Trouver en fait le meilleur passage du haut en bas. Exactement. De bas en haut en fait. Mais le plus esthétique, le plus de mouvement possible. Et là-dessus, il faut se dire qu'il y aura les branches après. Exactement. Donc première étape, ça va être de désaiguiller le tronc pour voir la ligne de tronc. C'est ça. Et la sélection des branches, comme tu disais, pour éviter les branches parallèles. Moi, c'est la règle des simples, c'est pas de branches au même niveau. Ouais. Ou alors légèrement décalées, quoi. Légèrement décalées. Et puis à chaque embranchement, à chaque point de ramification, deux par deux. Jamais de paquet de 3, là, tu vois, t'as des paquets de... En haut, t'as un paquet de 5 et puis t'as une multitude de bourgeons aussi. Bien sûr. Bien sûr. Là, les bourgeons, là, t'en as 5, bah, j'en garde 2 latérales. Et puis, on enlève... Alors, quand votre pain fait des feuilles comme ça d'érable, vous les enlevez, ça, c'est très important, c'est très, très important. Bon. Là, ça devient gênant. Bon, en tout cas, merci de ta présence. On a encore un dimanche... pas piquer des hannetons parce que ça va être sympathique. Ouais, il faut accélérer le rythme. Ouais. Et puis il y aura encore des activités, notamment la FAB qu'on remercie, qui ont fait un travail super en atelier. Donc si vous n'avez pas pu venir, c'est un peu gênant quand t'es intervenant, c'est qu'on n'a pas le temps d'aller trop regarder ce qu'ils font. C'est même moi. Alors c'est horrible. Et même moi quand je travaille, j'ai pas le temps de discuter avec les gens finalement. Moi je suis l'organisateur, j'ai pas eu le temps de regarder les trucs. Donc c'est pour ça que j'ai fait les trucs la nuit quand vous êtes pas là. Je suis tout seul dans le pavillon et là je regarde, tu vois. Non mais c'est abusé. En tout cas, si vous n'avez pas pu venir cette année, sachez que logiquement, on part sur un événement annuel et que, a priori... Mais tu avais dit que si ça fonctionne, mais là, je pense que c'est un succès. Bon, hein. C'est bon. Quand bien même on s'arrêterait aujourd'hui, ça a déjà fonctionné. Ouais. Mais non, l'objectif, c'est de regrouper les amateurs et les fans de bonsaï. C'est en train de se passer comme ça. Donc,
si vous n'êtes pas venu cette année, tant pis, rendez-vous en 2022 ou 2023 et tout. Ça va le café, c'est bon ? Merci. Ok. Allez, ça y est, il est froid. À bientôt. Salut. Salut.